en ce moment, j'ai un peu moins la foi en fait de tourner des vlogs parce que j'ai l'impression que ma journée c'est toujours la même, que je fais toujours la même chose. Donc du coup, en fait, j'ai un peu perdu la foi en fait dans ce truc-là. Bon, ça a duré genre 3 semaines, j'ai grave abusé du bail. Mais en fait, là en ce moment, j'ai envie de me concentrer un peu sur qui je suis et vous présenter en fait qui je suis pour en fait mieux comprendre la mentale que j'ai et mieux comprendre en fait ce qui se passe dans ma tête. Je voulais faire un plan stylé avec le soleil, mais je suis comme ça depuis le début, donc je pense qu'on va se bouger. Le but d'aujourd'hui, c'était de parler de Martin Eden de Jack London, donc c'est mon livre préféré. C'est le premier tatouage que j'ai fait et c'est la première chose en fait qui a vraiment bouleversé quelque chose en fait dans ma vie. J'ai lu, enfin du coup, faut que je pose le contexte un petit peu. J'ai lu Martin Eden, j'avais 13 ans. Et c'était suite tout simplement à Nekfeu, parce que j'étais une groupie de Nekfeu, et qu'en fait dès que je lis quelque chose, ou dès que j'écoute quelque chose, ou dès que je regarde un film en fait qui a un rapport avec quelque chose d'autre, bah je vais aller me renseigner sur ce truc là. Par exemple, j'ai saigné l'album Feu de Nekfeu, et dedans il y avait en référence principale qu'on voyait comme ça au premier abord, Martin Eden, Le Horla et Risible Amour. J'ai lu les 3 livres. Et Martin Eden, c'est le truc qui a fait, je sais pas comment l'expliquer, genre c'est tellement une leçon de vie, c'est un chef d'œuvre en fait de la littérature, c'est un monument Martin Eden. Ça a changé ma vision de tellement de choses, enfin, j'ai commencé à comprendre autrement les classes sociales, à voir autrement ma perception de l'amour, de l'amitié, de la famille en fait, de tellement de choses. Que j'ai eu un avant et un après Martin Eden, et je pense que c'est pour ça que je fais autant la propagande et que j'essaye autant de le faire lire aux gens autour de moi. C'est, je veux que ça crée le même bouleversement que chez les gens que ça a créé pour moi, parce que ça m'a tellement aidé à grandir. Donc Martin Eden, c'est un jeune marin qui a arrêté l'école au collège, si je me trompe pas, et en fait c'est une partie de l'histoire où les gens en fait ils sont peu éduqués s'ils viennent pas de la bourgeoisie. Et il y a un soir, je crois, il est sur un port, machin, et il y a un mec qui est en train de se battre, et il va aider ce mec-là. Et en fait, il s'avère que ce mec-là, c'est quelqu'un de la haute, et pour le remercier, il l'invite à manger, donc il l'invite à la table familiale. Et ce jour-là, Martin Eden, il rencontre Ruth. Et on va dire que c'est cette rencontre, en fait, qui bouleverse sa vie à lui. Parce que il tombe amoureux, en fait, de Ruth, genre coup de foudre, le truc... incroyable. Et franchement, la façon dont Jack London il décrit l'amour, la façon dont il décrit en fait l'émerveillement qu'il a autour de Ruth, l'espèce de fantasme aussi qui tourne autour d'elle, il est incroyable. Genre t'as envie qu'en fait un mec il se pose devant toi et il pense la même chose que ce que Martin Eden il pense de Ruth en fait à ce moment là et je vous spoil rien, c'est dans le résumé. Et en fait c'est là que l'histoire en fait réellement bascule et que tout commence. Et on est face à quelqu'un du coup qui veut épouser quelqu'un qui n'est pas sa classe sociale, donc il décide de s'instruire et du coup on suit toute sa péripétie dans ce schéma là. Et ouais, c'est un livre qui a des longueurs, je l'entends, parce que 1909 et c'est une période qui est différente de l'écriture qu'on a maintenant, et c'est vrai que parfois ça manque un peu de rythme, mais le fond est tellement beau et bon qu'il faut lire Martin Eden un jour dans sa vie. Parce que en fait c'est là que tu vois tout l'effort en fait que tu es obligé de créer pour pouvoir avoir ne serait-ce qu'un grain de poussière de ce que tu veux. Que en fait ma mandale elle m'a totalement retournée, c'est que je me suis dit en vrai faut juste travailler. Genre c'est con de ouf hein, ce que je dis, mais juste le taf ça suffit, genre. Et qu'est-ce que tu veux de plus? C'est ça, c'est que j'ai des trucs où des fois je me dis ouais, ça sert à quoi en vrai que je sois en études sup, que je m'endette avec un crédit, un truc. Mais en vrai, je sais que je vais le regretter dans 5 ans. Parce que je vais me dire ouais, mais là t'aurais pu bosser, t'avais de quoi bosser et tu l'as pas fait. Alors qu'il y a des gens qui rêvent d'être à ta place en fait. Et je pense que c'est un livre aussi qui permet de me recentrer parce que après moi je sais que je suis énormément comme ça, j'ai besoin en fait d'avoir des exemples dans plein de choses différentes et me dire ouais, à la place de machin t'aurais fait quoi. C'est ça en fait qui me perturbe avec Martin Eden, c'est que c'est le point d'acheminement de tout, c'est que réellement
à des échelles différentes, oui, on est tous un Martin Eden dans notre vie. Parce que ça revient aussi, un des grands débats autour de Martin Eden, c'est est-ce qu'on peut sortir finalement de sa classe sociale? Est-ce qu'on arrive réellement à changer de classe sociale et à s'intégrer en tant que toi avec les autres? Et toi, est-ce que tu arrives à te sentir à ta place avec ces autres-là qui sont pas tes autres à toi de base? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. En mode, toi, t'es une personne, t'as connu quelque chose toute ta vie. Genre, c'est comme si toute ta vie, on t'avait dit, ouais, tu t'habilles en bleu. Et là, on dit, maintenant, tu t'habilles en rouge. Est-ce que tu vas te sentir aussi bien en rouge que quand t'étais en bleu? Bah, moi, je pense qu'en fait, c'est un peu la même chose. Et au final, le débat autour des classes sociales, de est-ce que finalement, t'arrives réellement à t'intégrer? Bah, je suis pas sûre. Je pense qu'au final, on reste toujours indirectement lié à notre classe sociale. C'est parti sur un débat, je voulais parler de Martin Eden, de l'impact que ça a eu sur moi, et là je parle de classe sociale et de vêtements rouges et bleus. C'est n'importe quoi. Dites-vous, hein, cet exemplaire-là, il est passé dans tellement de mains différentes. C'est incroyable. Mais ça y est, j'ai pris une nouvelle résolution. Au lieu de prêter mon livre, je l'offre aux gens. En fait, ce que je veux dire, c'est que Martin Eden a un côté très introspectif en même temps, parce que au final, Jack London, c'est Martin Eden. Même s'il y a tout un tas de trucs, et la première page de Martin Eden, c'est Jack London n'est pas Martin Eden, mais il le devient. Genre, il a vraiment écrit ça. Sauf qu'en fait, il y a une autre œuvre de Jack London, ou une interview qu'il avait faite, je ne sais plus, qui était interview du coup sur papier, où il a marqué qu'en fait, il le dit, je suis Martin Eden. Donc c'est vrai que j'avais eu un débat comme ça avec Joyce Ormond dans l'interview avec Brut. Martin Eden, c'est un être romanesque, c'est un être inventé, mais en fait, il existe vraiment. Et c'est aussi pour ça qu'il est tatoué sur votre bras. Ça marche autant parce que Jack London était Martin Eden. Peut-être à ce moment-là, il s'en rendait pas compte, et ça, je suis persuadée que quand il a pondu le bouquin, il s'en rendait pas compte. Mais osez me dire que pour un truc qui se veut parler de quelqu'un d'autre, tu peux être romancier très bon en écriture, en ce que tu veux, il y a forcément un truc qui rejoint ce que toi tu penses, ce que toi tu ressens. C'est qu'on a tous eu ce truc de, moi je le vois, je filme toute ma vie et tout, j'ai eu une période où j'étais là, je filmais tout ce qui se passait, je faisais des photos de tout et tout le monde. Et en fait c'est un truc où, bah, à la fin des soirées, quand tu fais le truc de tu t'envoies les photos machin, bah, il n'y avait que moi qui apparaissais pas sur les photos, parce qu'il n'y a que moi qui prenais en fait les photos. Et en fait je pense que c'est ça, c'est que t'es tellement habitué à regarder tout autour de toi, que tu ne vois plus toi-même, parce que tu fais partie du décor, mais t'es à l'arrière du décor. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Pour moi, c'est la même chose que derrière ton téléphone, en fait, au final. Juste là, ils avaient pas de bigot, quoi. C'est vrai qu'on grandit, on évolue, et il y a beaucoup de choses qui changent. Mais Martin Eden, ça change pas. Genre, c'est un truc, c'est là, et je pense que ça restera là. Genre, je sais qu'on m'identifie beaucoup à ça, et après, je cultive aussi ce truc-là, de je rencontre des gens, je leur dis de lire Martin Eden, c'est limite... Enfin, je dis Bricarrois et Martin Eden, genre... C'est à peu près tout ce que tu peux retenir de moi, je pense. Et c'est ça qui est beau, en fait, je trouve, au final. C'est que j'ai l'impression que Martin Eden, c'est un livre que personne n'a lu, que personne connaît, mais que tout le monde connaît, en fait, en même temps. Je sais pas si vous voyez, genre, Jack London, je dis Jack London, les gens, ils disent l'appel de la forêt, Gros-Blanc, c'est normal. J'ai envie de faire de la propagande, de le mettre sur tous les murs de Paris. Et en fait, j'ai une espèce de dualité avec ça, où... En fait, je parle du principe que, genre, limite, Martin Eden, c'est ma propriété, en fait. C'est mon identité, c'est mon truc, c'est... Et j'ai à la fois envie que la France entière, que dis-je, le monde entier le lise, que tout le monde comprenne l'impact que ça peut avoir, en fait, sur quelqu'un, et à la fois, je veux pas que ça se développe. Je sais pas si vous voyez le paradoxe du truc. Genre, je me dis, ouais, mais si tout le monde le connaît, genre, si ça a autant de buzz que plus jamais de Colin Hoover, le goût, il aura pas le même. Ça aura pas la même saveur, ça aura pas le même impact, parce que ça a impacté tout le monde. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Alors que... Et en plus, c'est encore une fois, hein, c'est ça qui est giga contradictoire, parce que je suis arrivée à Paris, j'arrête pas de dire aux gens de le lire, je l'ai offert à des gens. Alors que je dis, ouais, je veux que ce soit ma propriété.
Et là, je suis en train de faire une vidéo YouTube qui est exactement sur tout ce que je contredis en fait en même temps. Putain de merde. Ils m'ont fait pour l'or, c'est ça le thème. À nous.